Pour déposer une vidéo ou un média sur votre cours, vous pouvez utiliser la fonction de glisser déposer en activant le mode édition. Glisser et déposer des fichiers. Il suffira de choisir la section où vous voulez la déposer. Ici, nous voulons déposer une vidéo sur le massage cardiaque. Nous pouvons la faire glisser et déposer ici et cliquer sur ajouter un média à la page de cours. Cette vidéo qui envoie le sang à tout le corps. Une autre méthode consiste, si nous avons beaucoup de vidéos à mettre sur la page de cours, de les insérer dans une page. Nous allons ouvrir la page comment faire un massage cardiaque, éditer les paramètres et dans la page de contenu ici, nous pouvons, après avoir ouvert la page, il vous suffira d'aller dans le sélecteur de fichiers et insérer un média. Nous allons parcourir les dépôts, aller vers déposer un fichier, choisir un fichier et sur notre bureau, ouvrir. Nous pouvons changer le nom, sinon nous la gardons et nous allons déposer ce fichier. Insérer le média. La vidéo ne sera visible que lorsque vous aurez enregistré et affiché votre page. Vous pouvez ici insérer plusieurs vidéos. Ceci vous permettra de ne pas encombrer votre page principale. Nous allons enregistrer et afficher et nous avons notre vidéo qui est au-dessus de notre texte. Notre méthode dans notre page de cours va consister à insérer le lien. Notre méthode va consister en utilisant la ressource étiquette à insérer le lien de notre vidéo. La vidéo ne sera fonctionnelle que lorsque nous aurons enregistré et que nous revenons au. Et vous voyez que nous avons ici notre vidéo que nous pouvons dérouler. La ressource étiquette est intéressante dans la mesure où vous pouvez l'utiliser dans plusieurs buts. Le premier étant de couper de longues listes d'activités avec un sous-titre ou une image, ou d'afficher un son ou une vidéo comme nous venons de le voir, ou d'ajouter une courte description dans une section de cours. Nous allons ajouter cette étiquette et, par exemple, insérer un trait qui va apparaître comme un trait de séparation dans notre page. Enregistrer, revenir au cours. Voilà notre trait. Nous allons l'insérer dans la section massage cardiaque. Après la ressource, comment faire un. Et vous voyez ici, nous avons un trait de séparation que nous avons réalisé dans notre étiquette. Cette étiquette est très utile.